En Espagne, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas non plus les idées de films de cinéma français qui sont incroyables, ah, le cinéma français. Mais les mecs sont véritablement les boss européens du cinéma fantastique. Après avoir mis une véritable claque en sortant Les Infectés, les deux frères Pastor, prénom Alex et David, récidivent. Nous demandons à tous nos concitoyens de garder confiance, d'aller à leur travail, de faire leurs courses, de garder leur calme et de ne rien changer à leur vie. Aucune raison de s'en faire ? Qu'est-ce que tu crois, espèce de con ? Qu'il n'y a rien d'inquiétant ? Les derniers jours, c'est encore l'histoire d'un virus qui a bousillé le monde et qui force les gens à se cloîtrer chez eux et à survivre comme ils peuvent. T'es un merdeux, tu sais. Ça fait 3 longs mois que je suis coincé ici. J'ignore si ma copine est encore vivante et je suis un merdeux. Très bien, je m'en fous. C'est à toi de décider. Oui ou non ? Marc, piégé à Barcelone, perd malencontreusement Julia, sa meuf. Du coup, seul son pire ennemi peut l'aider à la récupérer et ensemble, ils vont partir en plein Barcelone à sa recherche. C'est rapide, c'est nerveux, c'est bouillant, c'est sanglant. Et même si on a déjà vu et revu ce genre de pitch de départ, ça ressemble à rien d'autre. Et c'est maintenant.